Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode 1 de Vador Immortal sur l'Oculus Quest. Oh putain, j'ai pas d'armes. Bien sûr que les troopers ils vont arriver. You'll have to find the priestess of my clan. Down in the caverns beneath us, she's your only way off Mustafar now. Elle connaît un seul chemin pour pouvoir se barrer d'ici. Ah, je peux rien faire. D'accord, j'ai peut-être ça qui peut aider. Ah putain, il est parti sacrifier pour nous quoi. Oups. Ok. Je pense que en faisant ça, je vais fracasser le système. Bon, je vais ranger. Ah super. Ok. Ça. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai fait tomber l'échelle, super. Échelle de secours, on va pouvoir partir d'ici. Hop. Ouais, t'inquiète. Ah, le système d'escalade est plutôt rigolo. Vraiment l'impression d'escalader. Je vais essayer de pas rentrer dans le petit droïde. Ah, ça foutrait presque le vertige. Ouais, j'arrive. Oups. Ah, une manette rouge, à mon avis, il faut que j'appuie dessus, hein. En surprise. Petit robot aspirateur, salut. N'aie pas peur, c'est un de tes confrères. Quelque chose me dit que je dois aller au centre de cette pièce. Bonjour. Oh, je pense que là, les choses sérieuses vont commencer. Je pense qu'il y a moyen. Ah ouais. Wow, déjà. Wow. Eh ouais, mon gars. Alors, fais le malin. Ah d'accord, c'est un tuto en fait. Il va m'apprendre comment me battre. Donc, mettre le sabre comme ceci pour bloquer les attaques, très bien. Correct, merci. Ah, comme ça, je vais bloquer celle-là. Parfait. Encore, non. Ensuite, si je le mets comme ça. Super. After blocking a series of enemy strikes, they become vulnerable. That's when you attack. For a successful strike, swing in a wide, straight arc. Follow the example arc to perform your own strike.
Ok, alors deuxième leçon pour attaquer, il faut swinger la... envoyer un coup d'épée de sabre dans ce sens là, remonter soit de bas en haut, soit de haut en bas, parfait. Troisième leçon. Ok. Là je bloque, je bloque. Oh, je l'ai pris celle-là. Ouais, ouais, t'inquiète, je suis ok. Ah, je pense qu'il faut pas que je me loupe. Ok, je bloque. Je bloque. Je bloque. Ah, je suis un dingue, moi. Lesson 3 complete. Troisième leçon. Blaster deflection. You can deflect blaster fire back to its source. Ok, je peux renvoyer en fait les tirs de rayons laser qui vont venir sur la gueule. Oh, stylé. Oh, j'aime bien ça. Allez, tiens. Tout. Ouais, c'est un peu comme genre de... Genre comme si je joue au tennis, quoi, avec le laser. Yes! Ok, l'entraînement est terminé, faut se préparer à combattre. Bah ouais. Ah, contre-toi, ok. Ah, merde, je crois que j'ai loupé, sûr. Hop, là, si, et l'autre, là. D'accord. Là, voilà. Tiens, tiens. D'accord. Allez. Il n'y a plus beaucoup de pattes. Après, ça va être bon. Allez, salut. Bon, et ben voilà. I'm actually impressed, Captain. I thought for sure you were dead. Come on, there's no time to celebrate. I found a way out. Ok, d'accord. Bon, alors ça, c'était visiblement la phase d'entraînement hein, sur le combat et le maniement du sabre laser. On continue le chemin. Oh, la vue est chouette là aussi. Ça foutrait presque le vertige. D'ailleurs, bon, je dois avouer que dans la vie réelle, j'ai toujours un petit peu une espèce de petite peur de vide. Et là, franchement, bah, on retrouverait presque les mêmes sensations, quoi. C'est vraiment dingue. Okay. Well, there's a ventilation shaft just above us, which means we have to go clear. So, great news for me. Allez. Bah, c'est pas mal. J'aime bien ce genre de mécanique de gameplay qui sont whoop whoop. Tu. La vache. En vrai, hein, franchement, hein, mon cœur il s'est mis à s'emballer pendant 2 secondes. C'est vraiment dingue. Oh là là. Ah, bien sûr que c'est joli. Ouais, vraiment chouette. Ah, ok, je vois la manivelle. À mon avis, ça c'est pour moi. Et voilà, c'est ouvert, madame. On va passer en mode infiltration. Ça, à mon avis, voilà. Faut le couper.
ça, ça va être pareil. Alors, est-ce que je peux passer sur le côté? Non. Donc, à mon avis, il faut que je détruise cette espèce de gros truc, là. Non, ça ne va pas. Okay. Alors, à moins peut-être que je fasse comme si c'était une gravure laser. Ouais. Oh là là, classe. Allez, on va s'arrêter ici pour cet épisode-là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, puis moi je vous dis tchou à la prochaine.